On va étudier une halakha à propos du zimoun. Vous savez que lorsqu'on doit réciter Birkat Amazon, on doit d'abord faire zimoun si on était 3 personnes à manger ensemble. Si on est 10 personnes, alors dans ce cas-là, on a le hiouv de faire un zimoun avec le nom d'Hachem. Nevarech Elokeinu she'achalnu mishelo. Et tout le monde répond Baruch Elokeinu she'achalnu mishelo ubetuvo hagadol tamid hayin. Par contre, si on n'était que 3 personnes, en tout cas moins de 10 personnes, de 3 à 9, dans ce cas-là, on a l'obligation de faire zimoun, mais sans le nom d'Hachem. On apprend du pasouk Kishem Hachem ekra havu godel Elokeinu, ou bien du pasouk Gadelu l'Hachem iti unrom ema shemo yahdav. Gadelu au pluriel, donc le minimum du pluriel c'est 2, Gadelu l'Hachem iti, iti ça fait 3. Ou bien Kishem Hachem ekra, c'est Moshe Rabbeinu qui dit Kishem Hachem ekra havu godel Elokeinu. Alors vous rendez hommage à Hachem, eh bien vous, c'est vous au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc à partir de 3 personnes qui ont mangé ensemble, elles ont l'obligation de faire le zimoun avant Birkat Amazon. Quel est le din si il y en a 2 qui sont pressés et ils disent au troisième, allez, fais vite, nous on a besoin de partir. On doit faire zimoun, Birkat Amazon, on doit partir, on a l'avion. Alors il peut... Est-ce qu'il doit s'arrêter? Alors en fait, il n'a pas besoin de terminer son repas, mais il peut s'arrêter au milieu du repas. Et il doit s'arrêter, parce que 2 contre 1, ils sont majoritaires. Ils peuvent lui imposer de s'arrêter. Et même s'il ne veut pas s'arrêter de manger, eux, ils peuvent faire le zimoun sans qu'ils répondent. Ça veut dire qu'il faut normalement qu'il leur fasse kavod, il a l'obligation de s'arrêter et de répondre au zimoun. Et combien il doit répondre? Pour les Sfaradim, c'est juste cette phrase. Il répond tout simplement « Baruch she'achalnu mishelo betuva gadol tamid hayenu » et après il continue son repas tranquillement. Il fera Birkat Amazon à la fin du repas quand il aura terminé. Pour les Ashkenazim, il faut qu'il s'arrête jusqu'à ce qu'il entende « Hazan et Akol ». Il répond « Baruch she'achalnu mishelo betuva gadol tamid hayenu » mais il doit entendre que le Mezamen, celui qui a fait Zimoun, qu'il arrive jusqu'à Hazan et Akol. Il répond Amen et il continue son repas. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je répète, 2 peuvent imposer à la troisième personne, puisque eux sont majoritaires et lui, il est minoritaire, il doit s'arrêter pour répondre à leur zimoun. Et s'il ne veut pas s'arrêter, eux, ils peuvent faire zimoun et lui, il l'entend. Et eux, ils sont quittes de leur zimoun. Mais si c'est l'inverse, une personne qui est pressée, qui veut partir, et dit aux deux autres, « Allez, moi j'ai l'avion, faites vite, arrêtez-vous, répondez à mon zimoun. » Ils n'ont pas à s'arrêter. Ils n'ont pas à s'arrêter pour lui, sauf s'ils veulent lui faire plaisir. Très bien. « Lifne mishurat adin » mais ils ne sont pas obligés de s'arrêter au milieu du repas, et il ne peut pas leur imposer, et il ne peut pas partir non plus. Comme ça dit le Shulchan Aruch, שלושה שאכלו כאחד, אחד מפסיק על כורחו לשניים, ועונה עמהם ברכת הזימון. ואפילו אם הוא לא רצה להפסיק, מזמנים עליו, בין עונה, בין אינו עונה, כלשהו עומד שם. אבל שניים לא חייבים להפסיק לאחד, ולכן אין חיוב זימון חל עד שהתרצו להפסיק לאחד ולברך. ואם לא רצו להפסיק, והוא זימן עליהם, לא עשה כלום. ואם לא רצו להפסיק, הוא לא רשאי ללכת, הוא לא רשאי לברך ולצאת לשוק עד שיגמרו השניים ויזמן עליהם, שהרי הוא כבר נתחייב בזימון ואך יברך בלא זימון. Alors maintenant, ça c'est un détail. Un autre détail par rapport au zimoun. Quel est le din s'ils ont oublié et ils ont fait Birkat Amazon sans zimoun? Est-ce que c'est rattrapable? C'est irrattrapable. Nahon, il n'y a pas de zimoun lemafreya. Une fois qu'on a fait Birkat Amazon, tu t'es rappelé qu'on n'a pas fait zimoun, ça y est, c'est trop tard. Mais s'il n'y avait qu'une seule des 3 personnes qui a fait Birkat Amazon,
Il y en a deux qui n'ont pas encore fait Birkat Amazon. Ils lui ont dit, Mazé, nous on devait faire Zimoun, et toi tu as fait Birkat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, figurez-vous que eux ils peuvent faire Zimoun à deux, et lui il répond avec eux. Il lui répond, eux ils sont quittes de leur mitzvah du Zimoun, et lui n'est pas quitte. Ça veut dire, quand est-ce qu'on dit que En Zimoun et Mafreya, c'est par rapport aux trois personnes qui ont déjà fait Birkat, c'est pas possible de reprendre en arrière? Ou bien, en effet, même lui-même, une personne, s'il a déjà fait Birkat Amazon, elle-même, elle ne peut pas s'acquitter de son devoir de Zimoun après Birkat. Mais elle peut s'associer aux deux autres qui n'ont pas encore fait Birkat Amazon pour leur compléter le Zimoun, puisqu'il a mangé avec eux et qu'il avait un hiouf de Zimoun avec eux, alors il peut au moins les compléter le troisième qui leur manque. Maintenant, dans quel cas, ces trois-là, s'il y en a un qui est parti, ça veut dire qu'il est encore là et pourtant ils ne peuvent pas faire Zimoun avec lui. Comment c'est possible? Imaginons, ils étaient au restaurant. Il y avait deux personnes qui mangeaient ici, trois personnes qui mangeaient ici et deux à côté. Un des trois, il s'est levé au milieu du repas, il est parti avec les autres, il discute avec eux, il mange avec eux, il a terminé le repas avec eux et il a répondu à leur Zimoun. Il n'a pas encore fait Birkat Amazon, il a répondu à leur Zimoun. Maintenant, il ne peut plus compléter le Zimoun des autres. Pourquoi? Parce que lui, ça y est, il a déjà fait son Zimoun avec les deux autres. Il n'a plus la mitzvah du Zimoun puisqu'il a déjà fait. Il ne peut plus compléter, bien qu'au début du repas, il était avec les deux premiers. Alors, c'est paradoxal. Devinette, dans quel cas est-ce possible que quelqu'un qui a déjà fait Birkat Amazon et pourtant, il peut compléter le Zimoun? Il peut compléter pour avoir trois personnes pour les Zimoun. Et dans quel cas, il n'a pas fait Birkat Amazon et pourtant, il ne peut pas compléter? Alors, ça, la différence, c'est s'il a déjà fait Birkat Amazon parce qu'il a oublié de faire Zimoun et il est encore là, il peut répondre aux Zimoun et compléter les trois nécessaires pour le Zimoun des deux autres. Lui, c'est vrai, il n'est pas quitte, mais au moins, il les aide à accomplir leurs devoirs. Par contre, si lui a déjà répondu aux Zimoun d'un autre groupe, alors il s'est déconnecté de ce groupe, il ne peut pas, il peut plus compléter. Sauf si maintenant quelqu'un vient manger avec eux pour terminer le repas avec eux, alors à ce moment-là, c'est autre chose. Mais s'il a déjà terminé de manger là-bas et il a répondu aux Zimoun dans un autre groupe, il ne peut plus compléter avec le premier groupe. Rien que je vous le lis rapidement pour que ce soit le lâchant du Shulchan Aruch. Shlosha she'achlu, c'est Siman Kuftzadik Dalet Saif Aleph. Shlosha she'achlu ke'ehad, ve'shachehu, ubirech kol ehad le'atzmo birkat Amazon, batel mehem azimun, ve'em lo yecholim lachzor ulezamen le'mafreya. Vechen, im birchu shnaim mehem, aval im shachach ehad mehem, ובירך ברכת המזון, השניים יכולים לזמן עם השלישי, אף על פי שהוא כבר ברך. יכול לומר, ברוך שאכלנו משלו, והם יוצאים ידי חובת זימון, אבל הוא לא יוצא ידי זימון, שאין זימון למפריע. הגה, לא רמה רשות, ואם האחד זימן עם האחרים, אפילו השניים הנשארים אינם יכולים לזמן. Si l'un des trois s'est branché et s'est connecté sur un autre groupe, il a répondu Zimoun là-bas, ça y est. Eh bien maintenant, eux, ils sont que deux, ils n'ont plus la possibilité de faire Zimoun. Encore une dernière halakha. Quel est le din si il y en a un qui... Shlosha, je vous lis d'abord le Shulchan Aruch. Shlosha she'achlu, ve'yatsa ehad mehem lashuk, kor'im oto modi'im lo she'rotzim lezamen, כדי שיכוון ויצטרף עמהם, ויענה עמהם ברכת הזימון, ויוצאים ידי חובתם, אף על פי שאינו יושב, אף על פי שאינו בא ויושב עמהם. הנמילה בשלושה, אבל בעשרה, כיוון שצריכים להזכיר את שם השם, אינם מצטרפים עד שיבוא וישב עמהם. כס כסבדיר. אימג'ינו פרקזופ, ינאה, כתהו טלפון, אילה עושים טלפון, הוא מיליון אירופה, אי סולב. Il est comme ça sur la terrasse là-bas, en train de parler au téléphone. Et eux, les deux autres, ils ont fini le repas. Eux, ils veulent faire Birkat Amazon. Ils veulent partir. Mais il faut, ils savent que maintenant, ils ont le hiouf du Zimoun, comme ils ont mangé à trois. Et l'autre là-bas, il se balade avec son téléphone. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils lui disent, eh oh, écoute, on va faire Zimoun, réponds. Et lui, de là-bas, il s'arrête au milieu du téléphone et il dit, oui, Baruch she'achalnu mishelo betuvo agadol tamid hayinu. D'accord ? Il dit à son ami, stand by, attends une petite seconde, je réponds aux Zimoun. Et eux, ils sont quittes. Et lui, il est là-bas. Mais c'est seulement s'ils n'étaient que 3, maximum 9. Mais s'ils étaient 10, alors là, le Zimoun, c'est avec le nom d'Hachem. C'est pas joli. Donc, que lui, là-bas, sur la terrasse, avec son téléphone, il dit, Baruch elokeinu she'achalnu mishelo. Comment tu mentionnes le nom d'Hachem et tu te balades sur la terrasse, tu viens, tu t'assois, tu réponds aux Zimoun. Et après, tu te relèves, tu continues ta communication téléphonique. Ça veut dire que, voilà, il y a une halakha concernant le Zimoun, mais qui est spécifique aux Zimoun de moins de 10 personnes, qui est sans le nom d'Hachem, et le Zimoun qui se fait avec le nom d'Hachem lorsqu'on est au moins de 10 personnes. Voilà, Be'ezrat Hachem, on aura l'occasion ces jours-ci d'étudier les halakhot de Zimoun, puisque c'est en relation avec le Dafayomi.